Bonjour, ici Maxime Roy et vous êtes sur le tapis rose de Catherine à Rouyn-Noranda en Abitibi. Nous sommes dans la ville de Rouyn-Noranda au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, dont le film d'ouverture est Reste avec moi, un film de Robert Ménard, avec entre autres Louis Morissette, Julie Perrault et Maxime Roy qu'on rencontre à l'instant sur le tapis rose de Catherine. Présenter un film comme ça au Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça prend comme importance pour un film? Bien, moi, le festival, c'est un porte-bonheur pour moi. C'est ma troisième fois et j'ai gagné deux fois le prix du public comme réalisateur. Puis comme producteur, j'ai gagné une fois le prix du public. Alors, ça me fait... Bien, je reconnais le monde. On a vieilli tout ensemble, mais c'est un public extraordinaire. Ici, c'est extraordinaire. Louis, comment tu trouves ça, voir un film comme ça avec le public pour la première fois? Ah, c'est toujours bien énervant. Mais je dirais que voir un drame, c'est moins énervant que de voir une comédie. Une comédie, quand ça rit pas sur une joke, ça fait mal. Là, t'es pas bien longtemps. C'est un film choral, donc j'ai cinq histoires qui s'entremêlent. Et comme tout bon film choral, à la fin, il y a une rencontre qu'on ne dira pas. Mais mon défi comme réalisateur, c'était justement de ne pas sentir, d'entrer tranquillement dans chacune des histoires, des intrigues, et solliciter le public de plus en plus. Tu as vécu la maternité. On t'a rarement vu jouer ça. On te voit être une maman. On t'a vu être maternelle aussi avec la petite Alexandra parce qu'avant le film, tu te promenais avec elle, tu l'amenais avec toi. Ça t'a plu, justement, de jouer une mère? Bien, c'est un saut pour une actrice. C'est dans le sens, c'est fou, mais à un moment donné, quand tu commences à recevoir des scénarios, puis elle est la maman d'une jeune fille de 5 ans, tu fais, ben oui, tu sais que je suis rendue là. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, on va tout le temps puiser un peu dans ce qu'on connaît, tu sais. Mais là, c'est sûr que oui, c'est quelque chose. Ça m'intéressait de défendre ça, c'est sûr, là. Tu as déjà été la blonde de Louis Morissette à l'écran? Puis là, c'est Maxime qui a poigné la POC. Oui, c'est vrai. On va le laisser. Non, on va se le dire, là. Moi, là, j'ai donné, là. Pendant 4 ans sur 3 fois rien. Fait que Maxime a pris la relève, là, avec brio. Elle ment tellement, là. Elle ment bien, Julie Perrault. Elle aurait adoré ça. Ah, voilà. Elle donnerait cher pour que rejouer une de mes blondes à l'écran, mais elle n'est pas prête. Donner la réplique à Louis Morissette. Là, on est juste les deux toutes seules. C'était comment? Mais c'était pas la première fois. Donc, puis moi, Louis, je le connais depuis tellement longtemps que c'est tellement confortable de travailler avec lui. Je recommencerai demain, là. Maxime, elle est vraiment dans du métier, tu sais, puis elle a frenché des gars dans sa vie. Oh! Fait qu'elle avait vraiment de l'expérience, là. Tu lui donnes ta bouche, puis elle sait quoi faire avec. Merci beaucoup, Louis Morissette. Je ne peux même pas aller plus loin là-dessus. N'importe quoi. Reste avec moi, le film de Robert Ménard prend l'affiche le 5 novembre. Bon cinéma. Tu me fais plaisir, là. Oui, je te fais plaisir. Oui, ben, je trouve que c'est pas mal à gentil. Oui, mais c'est bon, c'est un concept. C'est Louis en rose sur le tapis rose de Catherine.